Votre attention, citoyens de Dunwall. L'huile de baleine est désormais disponible. Mes petits, je vous ai amené des graines. Les gens sont d'un mauvais goût.
Je sais pas. Il a parlé d'un masque. Il a pas eu le temps de bien voir. Il a dit ce qu'il voulait ? Il paraît qu'il a pas dit un mot. Mais il se battait comme l'outsider en personne. C'est peut-être la peste qui l'a rendu fou. Rien à voir avec ça. Ses gestes étaient précis. Crois-moi, on finira par apprendre que c'est un génial. Tu sais ce que je crois ? C'est un homme de Dode. Il se battait comme ça, comme une ombre. Toi, tu lis trop de romans d'épouvante. Tu crois que j'ai peur ? Tu trembles comme une fillette. Va te jeter dans le fleuve.
êtes-vous? Pourquoi portez-vous ce masque? Corvo? Corvo, c'est toi! Tu portes un masque pour fouiner un peu partout? Ils m'ont dit que tu avais eu la tête coupée en prison, mort comme maman. J'ai l'impression que c'est si loin. Mais tu n'es pas mort, alors on peut partir. J'ai un plan, j'ai déjà presque réussi. Il y a une porte pour les allées et venues des gens spéciaux. Je vais te montrer. Et si quelqu'un essaie de nous arrêter, tu peux les battre. Par ici. On est sur une rivière. Tu es donc venu en bateau. Je t'attendrai près du bateau. Je connais le chemin. T'en fais pas pour moi. Ils obéiront à mamie. Je les entends rire, mais ils verront ce dont je suis capable. Attention, citoyens de Dunwall. Le Lord Régent a décrété le rationnement de l'huile de baleine dans ce quartier. Tout contrevenant sera... Votre attention, citoyens de Dunwall. Vous êtes prêts tous les deux? Corvo, j'ai l'impression que vous avez fait des miracles en ville cette nuit. J'en crois pas mes yeux.